Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Ils sont tellement moches. Putain, on dirait les pieds d'un loup-garou. Ils sont trop moches. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Bon, moi je me lève que maintenant. Il y a Vincent qui est en train de préparer la table du petit-déj. Et je vous montre après, quand j'enlève les bandes que je me suis mises, les compresses, pour vous montrer si ça a marché ou pas. J'ai vraiment l'impression que ça a super bien marché. Donc voilà, je vous montre tout ça après mon petit-déjeuner. Qu'est-ce que tu fais? Bon, alors évidemment, j'ai des marques sur le bidon, hein, vu qu'il y a eu les compresses. Je vous explique, ça a super bien marché. C'est tout huileux. Donc voilà, vraiment, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça a super bien marché. On dirait que je viens de me badigeonner de l'huile ou de la crème à l'instant. Ça a super bien marché. Si jamais pour les compresses, j'ai utilisé ça. C'est des compresses qui sont comme ceci. Hein. Vous en avez 3-4 par paquet. Voilà, c'est juste génial. Plein m'ont dit, pourquoi tu mets pas de cellophane, ça va être mieux. Je vous explique, allez dans mettre du cellophane et on en reparle. Donc voilà, j'ai mis ça. Ça marche vraiment, vraiment super bien, je vous jure. Mon ventre, il est hydraté à mort. Mes seins, j'ai pas fait, mais c'est pareil, je sens vraiment. C'est pareil, identique. Donc voilà, trop bien, je suis trop contente. Vous faites ça le soir et je pense que vous risquez rien. Après, n'oubliez pas d'en mettre partout. Pas des compresses, mais de vous huiler tout le corps parce que ça peut péter vraiment partout, dans votre dos, vos poignets d'amour, vos fesses, vos cuisses, enfin voilà, important de bien vous badigeonner partout. Et j'ai mis moi du beurre de karité, voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, mais même sur mes seins, j'ai beaucoup moins de marques qu'avant, donc j'ai toujours mes veines, hein, évidemment, et j'ai un peu des stries qui sont rouges parce que bah ça c'est le début des vergitures, mais j'en ai quand même beaucoup beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, hydratez-vous bien et buvez beaucoup d'eau, hyper important. Je vous avoue que je vous ai déjà fait plusieurs stories, mais à chaque fois on voit mes seins. Avant on les voyait pas parce qu'ils n'existaient pas, maintenant ils sont tellement gros qu'on les voit partout. Donc ouais, je voulais vous dire que je suis encore dans mon bain, voilà. Je prenais jamais de bain, je déteste les bains, c'est le truc le plus ennuyant du monde. Et en fin de compte, bah, je passais ma vie à prendre des bains avec très peu d'eau et beaucoup d'huile. Donc voilà, de toute façon on n'a rien à faire, on est coincé chez nous, donc autant prendre beaucoup de bains avec beaucoup d'huile. Je vous conseille, même pour ceux qui ne sont pas enceintes, prenez ça. Vous allez voir, vous allez avoir une belle peau. Parce que là, moi, je vous explique, j'ai la peau qui me tire tellement fort que je pourrais m'ouvrir jusqu'au sang. Tellement que ça me démange, tellement que c'est affreux. C'est une sensation hyper désagréable. Donc voilà, pour la vie passionnante. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez surtout pas. Hein.